Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est JulienGamer32, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Eh bien écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie sur le test découverte d'Assassin's Creed Syndicate. Les infos du jeu apparaissent en bas de votre écran. Et donc sur cette petite vidéo, comme promis, je vais vous montrer l'assassinat d'un des Templiers. Alors, si je peux faire autre que Lucisorne, ça m'arrangerait bien, parce que j'aimerais bien aimer la mission du train. Si c'est pas possible, on fera Lucisorne, voilà, on est dans un château entouré de gardes. Mais on va y aller pépère. Et ça sera nickel, voilà. Bon, c'est juste pour montrer un des assassinats parmi tant d'autres qu'il y a dans le jeu. Sachant que depuis la vidéo d'avant, j'ai vraiment avancé, hein. C'est pour ça que j'ai un petit peu de retard dans mes vidéos. Déjà, en plus de pas avoir le temps, je joue, hein, au peu de temps qui me reste. Et je pense pas faire de vidéo. Mais bon, j'avance dans mon jeu. Ça, c'est déjà le principal. J'avance dans mon jeu. Ah oui, je suis dans la mission, c'est vrai. Je suis dans une mission. Journal de compétences. Alors, suivi progression. On va faire l'histoire. Comme vous pouvez le voir, au niveau des activités associées, j'ai terminé. Hein. Alors, c'était laquelle séquence où il fallait tuer Lucisorne? C'était celle-ci? Non, ça va être celle-ci. Hein. Non, ça va être la 6. Je sais plus. Je sais plus quelle est la mission. Trouver. C'était pas la 4 quand même. Non, c'était la 5 alors. Ah, d'accord. Ah, oh, mais c'est celle-ci alors, d'accord. Ok, si c'est la mission, c'est que je vais être avec Jacob et je vais pouvoir tuer Pearl Hathaway, une des assassins. Enfin, une des prodiges, on va dire, des amis de Starik. Voilà, Starik qui est le gros gros méchant du jeu. Et donc là, je vais tuer Pearl Hathaway qui m'a joué un sale tour, puisque dans l'histoire, elle m'a fait tuer un autre type, enfin un autre chef d'omnibus qui était censé être un Templier, alors que ce n'était pas le cas. C'est Pearl Hathaway qui l'est. Donc on va s'en débarrasser, hein. Comme à chaque fois. Monsieur, les moteurs sont arrivés à Waterloo. Les hommes de Starik vont venir décharger le train. Sauf si ce train est déjà parti. Rassemble une équipe à Charing Cross. J'y enverrai les moteurs. Récupérez-les. Voilà, donc on a la petite mission. Et voilà, il faut que je monte en haut de cette tour, comme on peut voir avec le symbole d'oiseau, pour... Oui, bon, c'était pas ce point de vue-là que je voulais monter, mais c'est pas grave. Voilà, celui-là sera beaucoup mieux déjà. Et il faut que je rentre par, voilà, le point d'entrée, qui est ici. Et je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, bien entendu, donc je vais essayer de me dépêcher pour assassiner cette chère Pearl Hathaway. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce retard. Vous pourrez bientôt accéder à la gare centrale. Mais où il est passé cet horaire? La gare centrale est fermée. Ordre d'Hathaway. Alors dis-moi, tu avais vu les plans, n'est-ce pas? Tu étais au courant de ce défaut? Un détail mineur, monsieur. Les wagons avaient été renforcés. Donc voilà, nous avons plusieurs possibilités. Donc on peut faire avec une opportunité de discrétion et une opportunité de meurtre unique. Donc opportunité de discrétion, je vais la débloquer. Et ensuite je ferai l'opportunité de meurtre unique. Voilà, tout ça pour assassiner Pearl Hathaway. Alors on va justement scanner le secteur pour voir qu'il y a ce monsieur donc, qui est le chef des trains qui veut... ses horaires, enfin voilà, c'est pour l'opportunité de discrétion, voilà, il faut lui parler. Et plus loin, je sais plus trop, hop, je vais identifier ces trois là-bas, voilà. Je sais plus où ils sont. Dès que l'ordre nous parviendra, ok. Nous vous laisserons rejoindre la carte centrale. Là. Donc on va lui parler de suite à ce cher monsieur. Avec l'horaire de la gare centrale. Laissez-nous passer. Ces gens seraient perdus sans mes indications, et ces indications me viennent directement du chef de gare. Dès que l'ordre nous parviendra... Donc, le chef de garde... Le chef de garde... Le chef de gare, pardon, est ici. Voilà,
Bon, alors là, bonjour la discrétion ici, hein. Faut que j'essaie de faire plus discret. Hop là. Bon, je vais pas les fouiller, hein, puisque j'ai avancé dans le jeu. Donc là, on va les libérer. Merci, mon gars. Je vais avoir besoin d'aide. Je dois partir. Quelqu'un finira bien par vous trouver. Fifi, va te cacher. Alors, ce petit symbole que l'on voit autour de moi, cette espèce de demi, enfin, de morceau de cercle, c'est les ennemis. Hop là, lui, il a été buté. Et on va faire buter elle. Voilà, viens, 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 ma petite. Et je te bute aussi. Désolé, le courrier sera sale. Hein. Mais, faut que je te bute. Donc, hop, on va récupérer. Les horaires de train. Et on peut refoncer, donc, les données au... au chef de gare. Je sais même pas si c'est... Non, le chef de train, pardon. C'est pas le chef de gare. Nous vous remercions. Voilà votre sacro-saint horaire. Oh, je... Merci. À tous les passagers, tous les trains sont redirigés vers la gare centrale. Je répète, tous les départs s'effectueront de la gare centrale. J'ai une affaire urgente à la gare centrale. Le chef de gare est mon frère. C'est tout bonnement ridicule. Je vais rater mon train. Alors, il faut que je voie exactement où se situe l'entrée secrète. Je ne me rappelle pas exactement à quel endroit elle est, mais... Oh là, par là, c'est pas bon. Ah, voilà, je l'ai identifié. Alors, lui, c'est quoi? C'est un chef de la sécurité. Des blocs meurtroniques, chef de sécurité, connaît la disposition du train. Ok, il a fallu les plans du train au chef de la sécurité. Voilà, moi je suis tranquille avec ces deux-là, moi. Et là, il faut que je lui vole les plans. Avant de voler les plans, je vais faire un maximum d'assassinats. Hein, parce que c'est le mieux, quoi. C'est la discrétion. Ok, la discrétion avec l'autre en face, qui m'ont même pas vu la tuer. Désolé. Alors on va arriver derrière lui tout discrètement. Parce que je crois que lui, il faut pas le tuer. Il faut juste lui voler ses plans. Hop là, j'ai volé les plans, donc je peux emprunter le passage secret pour tuer Pearl Hathaway. Ça va être assez rapide comme vous allez pouvoir le voir. Bon, bien entendu, je vais pas faire du bourrin, hein. Voilà, Pearl Hathaway est ici, en jaune. Je vais pas, bien entendu, les assassiner comme ceci. Je pourrais bien sûr, mais ce serait pas intéressant, la vidéo serait tellement courte. Pourquoi vous fuyez? Voilà, si vous fuyez, au moins je suis tranquille. Bon, Pearl Hathaway est ici. Faut que je me rende sur le haut du toit pour... Voilà, ça c'est fait. Ils sont tout cons, hein. Ils me regardent faire, mais... Voilà, forcément, je me suis fait voir. Ce qui est logique, hein. Dodo. Voilà. Est-ce qu'il en reste? Ouais, il en reste là.
On a l'avantage d'avoir un coup de discrétion hein, quand on se recache après avoir été détecté, comme vous pouvez le voir, quand je l'ai taillé en tranches. Automatiquement, il a perdu toute sa vie, voilà, il était prêt à mourir. C'est un des avantages, justement, du... Je vais t'apprendre la politesse. Restez où vous êtes. Voilà. Et ici, voilà. Non, non, monte pas, descends. Voilà. Et voici ce qu'il me demande de faire en objectif secondaire, prendre le passage secret. Voilà. Bon, alors là, c'est le mode sortie que je prends. Donc, je vais y rentrer et je vais y ressortir. Voilà, tout bêtement. Dans le doute, je vais descendre l'échelle pour voir si c'est pris en compte. Bon, quoi, non, je vais pas redescendre, je vais directement remonter. Et normalement, passage secret. Ça a fonctionné. Ou pas, donc... Non, non, bon, la vidéo du coup devait sera un peu plus longue, c'est très bien comme ça. On va descendre, je vais vraiment descendre. Voilà, je vais descendre et je vais refaire tout le trajet en face. Voilà. Je suis le plein de toute façon. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul trajet disponible. Hop, la suite par là-haut. Hop, hop, non, ça s'est fermé ici. Hop, ensuite c'est par là. Ah non, c'est pas par là. Loupé. Ah non, oui, c'est par là. Je me suis trompé. Voilà, au revoir messieurs dames. Donc du coup, vu que je suis sorti, je peux réemprunter le passage secret, voilà. Ne me demandez pas pourquoi c'est celui-ci. Moi-même, j'ai fait comme c'était indiqué, j'ai suivi le jeu. En fait, moi, en fait, dans mon histoire solo, quand je l'avais fait, j'ai pris donc la bouche d'égout qu'il y avait au pied des trains hein, et je suis arrivé à l'autre bout, donc voilà où c'est que je viens de tuer les deux types. Ensuite, je suis repassé en remontant sur l'échelle et en sortant. Et bien, j'ai débloqué emprunter le passage secret qui est l'objectif secondaire. Voilà, tout simplement. Allez, monte. Monte. Ouvre. Voilà, vous voyez, là ça a fonctionné. Emprunter le passage secret, je l'ai débloqué, donc j'ai eu l'objectif secondaire. Sachant que dans chaque mission, il y a des objectifs secondaires et que pour avoir une synchronisation totale, il faut, bien entendu, tous les faire. Voilà. Personne? Non, il n'y a plus personne. C'est impeccable. Alors, on va monter sur ce train-là. Allez, sur celui-là. Et... Bingo! L'opportunité se débloque. Elle se doute que je suis là. Assez violent. Quel dommage. Les bons associés sont tellement rares. Notre association était sans lendemain. Ainsi vont les affaires, Monsieur Fry. Il faut savoir se compromettre pour triompher. Crawford n'appréciera guère la nouvelle de ma mort. Quand il est chagriné, il sait se montrer fort déplaisant. J'ai tant sacrifié de moi-même. Je ne veux pas perdre mes omnibus. Et pourtant... L'éternel ramassage de sang sur le chiffon. Un jour peut-être que j'aurai la signification de pourquoi il ramasse à tous les meurtres. Bien entendu, la mission n'est pas complètement finie puisqu'il faut que je fuie le secteur. Maintenant que madame est morte, est disparue, voilà, très bien. Il faut que j'arrive à l'autre bout, voilà. Tout simplement, ben... Je vais remonter sur la gare. Fais attention.
Oui, je fais tout à fait attention. Voilà. Au revoir, monsieur. Et là, par contre, je vais fuir avec le train. Il y a elle qui veut faire chier. Au revoir. Et donc, je peux fuir comme ça, si. Et voilà. Donc, eh bien, j'ai terminé la mission du meurtre de Pearl Hathaway et j'obtiens les moteurs, comme indiqué, dans ma gare. Mais bon, ces moteurs, je ne vous dirai pas pourquoi, qu'est-ce qui se, à quoi ils correspondent, pourquoi je les ai pris, machin. Tout ça, ça correspond à l'histoire. Donc, je vous ai déjà montré trop de l'histoire, je trouve. Hein. Je vous ai montré le meurtre de Pearl Hathaway, ce qui est déjà beaucoup pour l'histoire, hein, pour pas vous polluer trop. Je vais m'arrêter ici, voilà, voilà. Donc, vous voyez, j'ai obtenu les deux objectifs et j'ai terminé la quête. Voilà, voilà. Et normalement, je pense que je vais atterrir au train. Je pense. Ce serait bien. Ah, c'est génial, ça a zappé la cinématique. C'est parfait. Comme ça, vous n'avez pas tout vu. C'est très très bien. Ça, je n'ai rien fait, bien entendu. Ça s'est fait tout seul. C'était Crawford Starry qui joue au piano. Voilà. C'est un morceau de ce que vous pouvez voir dans une des bandes-annonces qu'ils avaient sorti avant la sortie du jeu, quelques mois avant. Ils avaient fait une bande-annonce où on voyait Starry qui jouait du piano. C'est ça, en fait. On va dire qu'elle est un peu plus complète, elle a été agrémentée. Et donc, pour finir, vu que je suis dans cette mission, ça m'énerve, cette mission. Non, je peux pas aller au train. Bon, eh bien, tant pis, tant pis. Vu que je suis coincé dans une mission en cours, justement... Là, voilà, il faut que j'enlève ce monsieur. C'est une mission de Darwin que je suis en train de faire. Voilà, donc un objectif secondaire. Comme vous pouvez le voir ici aussi, vous voyez, l'intégralité des quartiers ont été libérés. Il n'y a plus de rouge nulle part. Westminster étant le quartier le plus difficile, a été terminé aussi, puisque chef de bande éliminé. Ils ont tous été éliminés un par un. Sur la Tamise, il y a lui. Elle, pardon. Sous Spark, il y a elle. Et Lambez, il y a lui. Voilà, c'est tous... éliminé. Et chose importante que je viens de me rendre compte, donc dans la boutique, on a possibilité d'acheter des packs, comme je vous le montre vite fait. Donc on a des crédits Elix qu'on peut acheter pour du vrai, mais sinon dans les maps il y a les fameux bug Elix en communautaire qu'on peut débloquer qui donnent 10 crédits. Et à force de monter, vous arriverez à trouver, enfin, à avoir 1000 crédits Elix qui vous permettront de débloquer des cartes. Alors vous en avez deux. J'ai le premier que j'ai obtenu tout simplement en ayant acheté le jeu en précommande plus le Season Pass, donc j'ai eu 1000 crédits Elix, donc j'ai débloqué ceci. Et ensuite, eh bien, j'ai le tracker de bug. Alors, secret de Londres, c'est tout simplement les boîtes à musique que l'on trouve dans le jeu, qui, une fois rassemblées, donc il y en a 32, une fois qu'on les a rassemblées, on obtient une tenue spéciale pour Jacob et Evie. Voilà, je suis en train de le faire, mais doucement, doucement. On a pareil pour les bugs Elix. Hein, bon, voilà, vous voyez, j'ai pas assez de crédits, j'en ai que 435, il faut que je continue à jouer pour les débloquer un peu plus. Mais sinon, sur la map, comme vous pouvez le voir quand je dézoome à max, voilà, les secrets de Londres sont les boîtes à musique, justement, ici. Elles sont toutes représentées, c'est à moi de les ramasser. Voilà, et quand je les aurai toutes, il y aura un endroit, je crois que c'est à la City, quelque part par là, il y a un endroit où on peut rentrer pour débloquer la tenue. Et quand on zoome, il y a des choses qu'on peut débloquer, comme vous pouvez le voir, il y a des bouteilles de bière, il y a des fleurs, il y a des affiches, je ne sais pas si je vais en avoir une ici, il y a des lettres... correspondance royale, voilà. Il y a des coffres aussi. Voilà, les illustrations, elles sont là. Voilà. Sachant que au début du jeu, je savais pas trop si j'allais réussir à tout ramasser, puisque il y a beaucoup de coffres, comme par exemple dans Whitechapel qui est le début, hein, il y a quand même 25 coffres, ce qui est énorme. Donc comme je savais pas si j'allais pouvoir les ramasser, je me suis rendu compte en avançant dans l'histoire qu'il y avait les marchands, donc les L qu'on peut voir ici. Et ces marchands, enfin les boutiques, voilà, quand on va les voir, ils nous proposent acheter des cartes. On y va. Et en fait, ce sont les cartes qui débloquent tous les points de repère des bouteilles, des illustrations, des fleurs séchées. Et surtout, le plus important, les coffres de chaque quartier. Donc là, vous voyez, j'ai déjà acheté Whitechapel. Donc ils sont tous indiqués. Voilà, j'aurais plus qu'à les faire. Je crois que j'ai acheté ceux de Londres, ceux de City. Vous voyez, oui, vu la quantité, je les ai achetés. Et Tamise, je les ai aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai plus qu'à les ramasser. J'ai acheté
Sous-Swark et Lambeth. Voilà, il me reste que deux achats à faire, c'est Westminster, malgré que j'en ai débloqué pas mal de coffres non ramassés, mais ça c'est moi qui les ai trouvés. Et il me reste aussi Strand, voilà, j'ai quelques-uns mais j'ai pas tout ramassé. Donc voilà, mais c'était les infos que je pouvais vous donner pour terminer le jeu à 100%, puis comme vous pouvez le voir, la synchro est quand même assez grande, je suis à 67% de synchro total, 62% de l'histoire, tout à 100%, activité associée, c'est ce que je vous avais montré, repère de bande, chasse aux primes, libération d'enfants, chasse aux templiers et guerre de bande, c'est terminé à 100%. Et là, vous voyez, j'en ai trois nouveaux, mais c'est un rapport avec Winston Churchill, donc la Première Guerre mondiale. C'est un bug que vous trouverez sur la Tamise. Voilà. Ensuite, il y a les récits londoniens, donc les histoires avec Dickens, repère ferroviaire, Darwin, Karl Marx, Première Guerre mondiale, justement, que j'ai terminé. Et divers, ce sont toutes les choses à ramasser. Sachant qu'il y a aussi 10 lettres de front à ramasser dans la Première Guerre mondiale. Compliqué à trouver. Autant les points de repère, il y en a 3 dans la Première Guerre mondiale, ici, je les ai trouvés de suite, forcément ils sont indiqués. Autant les lettres de front, les coffres verrouillés, mais surtout les coffres normaux, c'est une misère à trouver. Je vous dis, une misère. Et même les bugs Helix, il y en a un que j'arrive pas à ramasser. Je comprends pas pourquoi, je suis pile au-dessus et j'y arrive pas. Voilà, j'attends des réponses d'un service de jeu pour m'aider. Voilà, vidéo terminée, cette troisième terminée bien entendu, je ne ferai pas d'autre, là je vais terminer le jeu et quand j'aurai fini à 100%, que j'aurai pu le désinstaller, je passerai à Just Cause 3 que j'ai reçu, mais que j'installe pas puisque je n'ai pas assez de place sur mon SSD, voilà, c'est bête, j'aurais eu un SSD plus gros, j'aurais pu vous la faire dès la sortie du jeu, malheureusement on est déjà le 3 décembre et je n'ai toujours pas fait de vidéo, et il est toujours en boîte non installé, donc bon, on verra, je vais déjà finir Assassin, ça sera pas mal. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir, un pouce bleu égal à merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le pseudo en dessous de cette vidéo sur PC, mais aussi sur smartphone et tablette sur le côté droit, et ainsi que le lien de confirmation directe dans la description, voilà. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Facebook, le lien qui apparaît en bas de votre écran, vous pouvez suivre ce lien ou celui dans la description. Likez la page et suivre les dernières actus, à savoir les news de la chaîne et les dernières vidéos postées. Mais aussi Twitter, en bas de votre écran, idem, il y a le lien qui apparaît, ainsi que dans la description. Vous pouvez vous abonner au flux d'actualité pour suivre, ben, comme sur Facebook, tout ce qui a un rapport avec la chaîne, à savoir les dernières vidéos postées et toutes les news, voilà. Bon, et bien en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.